Eh bien bonjour, j'ai le plaisir d'introduire cette communication organisée dans le cadre de la formation continue des formateurs et formatrices Graines de Philo. Comme vous le savez, nous avons sollicité les membres du comité scientifique pour approfondir certaines notions et élargir notre approche de la pratique de la discussion à visée philosophique avec les enfants et les adolescents. C'est dans ce cadre que nous accueillons François Galichet, agrégé docteur en philosophie et jusqu'en 2004 professeur des universités à l'université de Strasbourg. Et bien sûr, acteur et auteur sur le sujet de la philosophie avec les enfants et membre du comité scientifique Graines de Philo. François Galichet, le sujet de votre intervention est Histoire des courants philosophiques, un vaste sujet pour lequel nous ne disposons que de 20 à 25 minutes. Alors, sans perdre de temps, je vous pose une première question. Pouvez-vous nous dire en quoi la connaissance de la pensée philosophique est utile pour les animateurs d'ateliers Graines de Philo? Eh bien, je crois tout simplement parce que dans les ateliers philo, on discute quand même de questions comme la liberté, le bonheur, la justice, la sagesse et bien d'autres. Bon, et ces questions-là, c'est des questions que les philosophes se sont posées depuis Platon jusqu'à nos jours. Donc, il est naturel que quand on anime un atelier philo sur une de ces grandes questions-là, eh bien, on connaisse même succinctement les réponses ou tout simplement les questions que les grands philosophes ont apporté sur ces sujets-là. Voilà, tout simplement. Et justement, qu'est-ce qui vous paraît essentiel quand on étudie l'histoire de la pensée philosophique? Alors, c'est un peu difficile, hein, c'est même une gageure, je dirais, en 20 minutes, 25 minutes, de retracer toute l'histoire de la pensée philosophique de Platon à nos jours, hein. Donc, je me limiterai dans ce document à une idée essentielle que je vais essayer de défendre et d'illustrer, l'idée que chaque nouveauté philosophique, chaque moment important dans l'histoire de la philosophie correspond à une crise, hein, est une réponse à une crise. Alors ça peut être une crise des sciences, ça peut être une crise de la politique, une crise de la société, ou tout ça à la fois, hein. Et donc c'est à chaque fois une crise qui amène une avancée de la philosophie pour essayer de répondre à ces crises. Donc je distinguerai dans l'histoire de la philosophie des moments forts, quelques moments forts, j'en distinguerai trois dans l'entretien que nous allons avoir, et puis des moments plus faibles où la philosophie se contente de continuer à exploiter et à développer les idées qu'elle a inventées en quelque sorte. Voilà. Justement, quelle est la première crise qui donne naissance à la philosophie? Alors, cette première crise, c'est Platon. Hein, je veux dire, Platon est la réponse à une première crise, et cette crise-là, c'est une crise essentiellement de la science et donc aussi de la notion de vérité. Jusqu'à Platon, le modèle de la science, c'était l'arpentage, hein, c'est-à-dire que c'était la mesure. Hein, au départ, les gens ont des champs, on veut mesurer les champs. En architecture, on construit des maisons, il faut mesurer la longueur, la largeur, la hauteur, etc. Donc, l'idée de la science était liée à l'idée de mesure. C'est-à-dire qu'en mathématiques, puisque les mathématiques étaient à peu près la seule science constituée à l'époque de Platon, mais cette science était essentiellement l'arithmétique. Or, il va se passer quelque chose de tout à fait extraordinaire à l'époque de Platon avec Euclide en particulier, que tout le monde connaît, le théorème d'Euclide, etc. On a tous étudié ça à l'école. Ben, Euclide, entre autres choses, il a découvert le calcul de la diagonale du carré ou du rectangle, mais enfin là c'est du carré, à partir des côtés. Et ce qui déconcerte beaucoup les penseurs grecs à cette époque, c'est que cette diagonale, on ne peut pas en donner un chiffre exact. Elle se mesure par une racine carrée, une racine de 2, hein, puisque c'est la racine des deux côtés. Hein. Donc racine de 2, et si vous êtes un peu mathématicien, racine de 2, eh bien, on ne peut pas en donner une estimation exacte en termes arithmétiques. Ça continue. C'est exactement la même chose pour le nombre pi, qui est à peu près découvert à la même époque. On sait bien que le rapport de pi, c'est le rapport de la circonférence au rayon, hein, et du cercle, et que ce nombre pi, eh ben, on ne peut pas en donner une estimation exacte, on peut continuer à l'infini. Et ça déconcerte énormément les Grecs. C'est pour ça qu'ils ont inventé l'idée de nombre irrationnel. Hein. Il y a des nombres qu'on ne peut pas réduire à une estimation chiffrée, et donc ces nombres-là,
ils sont irrationnels. Et donc, évidemment, ça correspond à une remise en question de ce que c'est que la notion de raison. Hein. S'il y a des nombres irrationnels, il faut redéfinir la raison pour quand même les intégrer, puisque la géométrie, que ce soit le pi, que ce soit la diagonale du carré, ça fait partie des sciences. Et bien, Platon, toute la philosophie de Platon, je crois, peut se comprendre à partir de cette réflexion sur la notion de nombre irrationnel qui va l'amener à dire finalement la vérité, elle ne se situe pas dans les nombres, parce que les nombres, ils sont encore très proches de la réalité. Hein. Quand je mesure un champ, je peux dire que, quand je mesure, je me dire que ce champ, il a telle quantité de mesures, il a telle mesure, tel côté, telle longueur, telle largeur, etc. Si je dénombre une collection de cacahuètes, je peux dire que le nombre, il est lié au nombre de cacahuètes. Donc, on ne distingue pas dans le nombre la chose de l'idée. Hein. Or, justement, les nombres irrationnels nous obligent les penseurs grecs à distinguer l'idée de la chose. Hein. Pour illustrer ça de manière extrêmement simple, je peux dessiner sur ma feuille de papier des tas de triangles différents, des petits, des grands, des qui sont bien dessinés, des qui sont mal dessinés, à l'encre rouge, à l'encre bleue. Ben, tous ces triangles-là qui sont différents renvoient à une seule idée du triangle, qui est le concept mathématique de triangle, de même pour le cercle, etc. Et donc, la philosophie de Platon va donc distinguer, toute la philosophie de Platon consiste à distinguer deux types de réalité, la réalité empirique, celle des choses que nous voyons, que nous touchons, que nous mangeons, etc., et puis la réalité des idées, celle des idées mathématiques, bien entendu, les concepts, mais que Platon va justement étendre à l'idée de table, à l'idée de beauté, à l'idée de bien, à toute une série de notions, et donc de considérer que ce monde-là, le monde des idées, est supérieur au monde du réel et constitue le fondement même de la vérité. Toute l'allégorie de la grotte, hein, de la caverne que tout le monde connaît, hein, consiste à distinguer justement le monde où nous vivons, qui est le monde des choses, que nous croyons réelles mais qui ne sont pas réelles du tout, c'est la grotte où vivent les prisonniers, et puis le monde extérieur avec le soleil qui lui constitue la seule vérité possible. Et donc, puisque nous parlons ici des courants philosophiques, la philosophie de Platon va ouvrir une première dualité de courants entre le courant idéaliste, là, que représente Platon, hein, le courant idéaliste, le mot idéaliste le dit bien, hein, c'est celui qui défend l'idée qu'il y a une vérité qui s'identifie aux idées et que par rapport auquel le monde des choses est tout à fait secondaire, imparfait, beaucoup douteux, etc. Et puis, voilà. Et face à ce courant idéaliste, eh bien, il y a le courant opposé, le courant matérialiste, défendu par des philosophes comme, par exemple, Démocrite, Épicure ou d'autres, qui défend l'idée que non, ce monde des idées est une illusion, est un leurre philosophique, et que la seule réalité, c'est la réalité matérielle, celle que nous touchons, etc. Donc, le premier clivage philosophique important, c'est l'idéalisme d'un côté et le courant matérialiste de l'autre. Alors, quelle incidence pour nous dans nos pratiques d'atelier philo? Eh bien justement, quand l'animateur d'un atelier philo invite les enfants, par exemple, à se détacher des exemples. Vous savez que dans un atelier philo, quand on dit « qu'est-ce que la liberté ?», les enfants commencent à dire « moi, je suis libre quand je fais ceci, et puis moi, je suis libre quand je fais cela, etc. » Et l'animateur dit « oui, mais ça, c'est des exemples que tu donnes de ta vie personnelle, hein, mais nous, en philo, nous essayons à réfléchir, à définir la liberté telle qu'elle est en elle-même. Hein. » C'est ce qu'est l'activité de conceptualisation. Eh bien, toute cette activité de conceptualisation que nous menons dans les ateliers philo, on peut dire qu'elle vient de Platon et du courant qu'il représente de l'idéalisme philosophique. Voilà. Après Platon, Aristote et le monde médiéval, quel est le tournant suivant qui marque une nouvelle rupture dans la pensée philosophique? Alors, effectivement, la deuxième grande crise dans l'histoire de la pensée philosophique et de la pensée de l'humanité, c'est le tournant représenté par Galilée et la physique newtonienne. C'est un tournant considérable. Pourquoi ? Jusqu'à Galilée, hein, Galilée et surtout Newton, après, la physique repose sur la conception d'Aristote.
Donc, la conception du monde est une conception aristotélicienne qui se caractérise par un espace qui est hiérarchique. Hein. En conformité avec ce que je viens de dire par rapport à Platon, Aristote distingue et tous les savants médiévaux, après lui, jusqu'à Galilée, justement, distinguent le monde des astres, qui est le monde parfait, qui se rapproche justement du monde des idées mathématiques, parce que la course des astres est régulière. Et puis, est mathématisable. Et puis, le monde sublunaire, le nôtre, qui est un monde imparfait, avec des phénomènes physiques qui sont pas quantifiables. Hein. La physique aristotélicienne est aussi une physique qui considère que le monde est essentiellement qualitatif. Il y a quatre types d'éléments, la terre, l'eau, le feu, etc. Et chaque élément rejoint son lieu naturel. Donc, il y a des lieux naturels pour l'eau, pour la terre, pour le feu, c'est le soleil, etc. Et donc, c'est un espace qui est différencié. Et puis, enfin, bien sûr, le monde de la physique pré-galiléenne est un monde qui est centré sur la terre, c'est le géocentrisme, tout tourne autour de la terre. Et donc, voilà. Et Galilée et Copernic va changer complètement ça en pensant le monde comme un espace géométrique qui est homogène, tous les points de l'espace se valent, il n'y a plus de hiérarchie, hein, et ce monde est mathématisable, hein, on peut analyser les phénomènes de l'attraction, les phénomènes des forces, etc., en termes purement mathématiques. Hein. Et donc, c'est évidemment un choc pour les penseurs de l'époque. Hein. Par rapport à ce nouvel espace, quelle est la place de l'homme, hein? Dans la physique traditionnelle, l'homme a sa place toute naturelle dans cet ordre hiérarchique du monde, hein? Dans cet espace homogène, purement mathématique, l'homme n'a plus de place. Eh bien, Descartes, c'est le deuxième tournant philosophique. Descartes et ses successeurs, bien sûr, va être une réponse à cette crise vivent les penseurs, que vivent les savants. Et la réponse consiste à dire, eh bien justement, il y a le monde, qui est le monde matériel, étendu, mathématisable, objet de la physique. Et puis il y a le sujet pensant, hein, c'est le fameux cogito de Descartes, qui lui n'appartient pas au monde, qui est totalement en dehors du monde, c'est la pensée. Hein. Et donc, Descartes est comment dirais-je, au fondement d'un deuxième grand courant philosophique ou d'un deuxième clivage philosophique. D'un côté, le rationalisme qui va dire que la vérité se fonde dans le sujet qui se caractérise essentiellement par la raison, par la pensée, hein, je pense, donc je suis, hein, idée reprise par Pascal, etc. Et puis l'étendue, qui représente le monde matériel qui est extérieur au sujet et le sujet a la volonté et la vocation en quelque sorte de le maîtriser. Hein. Nous sommes maîtres et possesseurs de la nature. Et face à ce courant rationaliste qui représente eh bien, va s'opposer un courant adverse, comme toujours, le courant empiriste, qui dit non, il n'y a pas de sujet, les connaissances que nous avons, elles viennent de l'expérience, il n'y a pas de raison innée dans le sujet, finalement, tout se ramène à l'expérience. Comme toujours, les courants marchent par deux en philosophie. Hein. Tout à l'heure, c'était idéalisme, matérialisme, là maintenant, c'est rationalisme et empirisme. Et je termine ce point par toujours la même question. Quelle incidence pour nous, animateurs de philo? Eh bien, quand nous, avec les enfants, nous discutons de questions comme la liberté, l'autonomie, l'esprit critique, eh bien, nous sommes des héritiers de Descartes. Nous sommes des héritiers de cette crise à laquelle Descartes a essayé d'apporter une réponse. Et en particulier, la notion de démocratie vient directement de Descartes. Si le sujet se caractérise par la raison, et si la raison est la chose du monde la mieux partagée, comme le dit Descartes, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, eh bien tous les sujets sont égaux. Et donc c'est évidemment une révolution politique, puisque à l'ordre hiérarchique de la société va se substituer un ordre égalitaire. Et Descartes, eh bien c'est lui qui a débouché sur les Lumières et sur la Révolution française 2 siècles après lui. Hein, voilà. Donc tout se tient. Et donc dans nos ateliers philo, eh bien nous sommes des héritiers de Descartes quand nous parlons de la liberté, de la démocratie, de l'égalité, etc. Voilà. Cette souveraineté du sujet inaugurée par Descartes et dominante dans la philosophie classique va-t-elle être remise en cause? Oui, alors c'est une troisième crise. Hein. La troisième grande crise qu'a connue la pensée
la pensée, je dirais, de l'humanité, en tout cas au moins la pensée occidentale, hein, puisque ce que j'ai dit vaut essentiellement pour la philosophie en tant qu'elle est une discipline en quelque sorte occidentale. On pourrait discuter de savoir s'il y a des philosophies orientales ou des philosophies africaines. C'est un sujet de débat, je ne l'aborderai pas ici. Donc la troisième grande crise, eh bien, elle se situe en gros dans le courant du 19e siècle, les débuts du 20e siècle. La biologie, bon, avec Darwin, je vais très vite. Darwin montre que l'homme, eh bien, n'est pas ce sujet transcendant et supérieur à la nature que Descartes avait posé, mais que c'est un animal qui s'inscrit dans une chaîne, la chaîne de l'évolution, dont il n'est que le dernier maillot. En sociologie, Marx et Durkheim montrent que le sujet humain n'est pas si maître de soi qu'il le pense, et qu'en réalité, il est conditionné par des déterminismes sociaux, la lutte des classes, les rapports socio-économiques pour Marx, la société pour Durkheim, etc. Et puis enfin, la psychanalyse avec Freud et ses successeurs montre que là encore, le sujet n'est pas si souverain qu'il le pense, mais qu'il est largement déterminé par des pulsions inconscientes qu'il ne maîtrise pas. Et donc, vous voyez, c'est la notion de sujet souverain, rationnel, raisonnable, qui se trouve largement et fondamentalement remise en cause. Et cette remise en cause va aboutir à changer la notion de liberté par la notion d'émancipation. La liberté, c'est ce qu'on a tout de suite. Si je suis libre absolument de faire ceci ou cela, etc. L'émancipation, c'est un processus laborieux. On s'émancipe parce qu'on est d'abord esclave, parce qu'on est d'abord dominé, donc ce n'est pas du tout la même conception de la liberté. Et donc là, cette troisième crise dont je parle, eh bien, des philosophes comme Marx, des philosophes comme Hegel et leurs successeurs, comme Nietzsche aussi, bien entendu, justement, vont donner des réponses qui est que justement, au sujet souverain de Descartes, il faut substituer un lent processus, un lent mouvement de libération ou d'émancipation. Et donc, c'est une troisième période de la philosophie qui s'ouvre à ce moment-là. Et là encore, quelle incidence pour nous dans notre animation philosophique? Eh bien, je dirais que nous sommes amenés justement à faire réfléchir avec les enfants sur justement quelles sont les situations qui nous déterminent à notre insu. Hein. Est-ce que nous sommes libres ou est-ce qu'il faut nous libérer de tous les déterminismes que nous avons? Et ça va entraîner justement un changement aussi dans la démarche de la philosophie. Jusqu'à Descartes et au-delà, comme je l'ai dit, la démarche, c'est essentiellement une démarche de conceptualisation. Philosopher, c'est sortir des exemples, du magma, des expériences que nous vivons pour accéder à l'idée pure que va définir l'idée de liberté, l'idée de justice. Et beaucoup d'animateurs de philo cherchent à aboutir à des définitions. Mais comme j'essaie de le défendre dans quelques ouvrages que j'ai faits récemment, eh bien, il y a aussi une autre manière de philosopher qui consiste à partir de ma propre expérience, de ce que je vis moi, de ce que vivent tous mes contemporains, et essayer d'interpréter cette expérience pour justement en tirer des conclusions concernant la notion de liberté, la notion de bonheur, etc. Donc je ne cherche plus à accéder à l'idée que je définirais de manière abstraite, je cherche à, en quelque sorte, mieux comprendre, mieux interpréter, mieux déchiffrer ce que je vis. C'est ce que font les philosophes. Hegel, par exemple, s'intéresse à des situations comme la religion chrétienne, la Révolution française, la Terreur, Napoléon, et il se demande qu'est-ce que signifie ce phénomène historique de Napoléon, par exemple, par rapport à l'avancée de la liberté dans le monde, etc. J'intéresse aussi à un certain nombre de phénomènes très précis, la religion chrétienne, Socrate, les prêtres, etc. Ils se demandent qu'est-ce que ça signifie par rapport à la liberté et par rapport à la domination que nous vivons par rapport à d'autres, et ainsi de suite. Hein, je pourrais donner d'autres exemples. Mais donc on voit que la démarche de la philosophie devient moins une démarche de conceptualisation qu'une démarche de déchiffrement, de compréhension,
d'interprétation des situations que nous vivons. Et c'est donc là donc une révolution dans la philosophie qui se traduit aussi dans la démarche de l'animateur des ateliers philo. Voilà. Vous avez insisté sur le lien entre les crises provoquées par l'évolution des sciences et les réponses que la philosophie apporte à ces crises. Mais y a-t-il aussi des crises dans d'autres domaines, notamment politiques et sociaux ? Bien sûr, oui, je n'ai pas parlé de cet aspect politique et social pour m'intéresser essentiellement aux crises épistémiques, pourrait-on dire, celles qui partent des sciences, hein, la science euclidienne, la mathématique euclidienne, la physique galiléenne, la biologie darwinienne, etc. Mais bien évidemment, ces crises épistémiques ont aussi des retentissements dans le domaine politique. Hein. Pour reprendre les trois crises dont j'ai parlé, eh bien, la crise épistémique des mathématiques que j'ai exposée tout à l'heure a évidemment des conséquences politiques. Elle entraîne aussi une crise de la cité à l'époque des Grecs. Hein. C'est-à-dire que l'ordre des cités jusque-là était fondé sur un ordre essentiellement religieux. Hein. C'était les prêtres qui gouvernaient les cités. À partir du moment où la vérité se définit par des idées, l'idée de la justice, eh bien, c'est plus les prêtres qui gouvernent, c'est les philosophes. Platon le dit expressément, les philosophes doivent devenir les rois. Hein. Le jour où les philosophes seront rois ou les rois seront philosophes, les hommes vivront mieux, dit Platon. Hein. Et donc, évidemment, il y a une sorte de laïcisation du pouvoir qui va entraîner à Athènes ou ailleurs des crises qui déboucheront sur la démocratie athénienne. Hein. Même chose, j'y ai fait allusion tout à l'heure, la révolution cartésienne du sujet va aboutir eh bien, aux révolutions du XVIIIe siècle, aux Lumières, et puis aux révolutions américaines et françaises qui promeuvent la démocratie, l'égalité, etc. Et enfin, les changements philosophiques, en quelque sorte, dont j'ai parlé au XIXe siècle, liés au passage de la conception de la liberté d'un sujet souverain à l'émancipation progressive de sujets qui s'émancipent dans l'action, hein, et non pas seulement dans la réflexion, eh bien, va déboucher évidemment sur un élargissement de la notion de démocratie. Hein. La démocratie n'est plus seulement dans le domaine politique, comme l'affirmait la Révolution française, par exemple, mais aussi dans d'autres domaines culturels, sociaux, dans le domaine de l'entreprise, par exemple, dans le domaine culturel, dans le domaine de la sphère familiale, des rapports sexuels, des relations sexuelles, hein, égalité homme-femme, etc. Nous vivons cette révolution actuellement. Donc, on voit là aussi que c'est une révolution philosophique a des conséquences dans des domaines politiques, culturels, sociaux et bien d'autres. Voilà. Qu'en est-il de la crise que nous connaissons aujourd'hui ? Pensez-vous qu'elle va entraîner de nouvelles avancées dans la pensée philosophique ? Alors ça, c'est une question à laquelle il est évidemment très difficile de répondre. Incontestablement, on peut dire que nous connaissons aujourd'hui une quatrième crise. Ça serait évidemment difficile de le contester. Hein. L'humanité, pour la première fois, prend conscience qu'elle est mortelle, que le monde dans lequel elle vit peut disparaître, hein, pour de multiples manières, la crise écologique, la crise climatique, la menace nucléaire, les menaces biologiques, hein, dont nous vivons actuellement un épisode, etc. Donc, et bien évidemment, les philosophes commencent à réfléchir sur cette nouvelle donne, pourrait-on dire, et je pense que ça entraînera une révolution philosophique aussi importante que les révolutions platoniciennes, cartésiennes ou, disons, hegéliennes et nietzschéennes. Mais il est encore trop tôt pour le dire, je dirais que c'est à nous tous. Hein. Cette fois, c'est peut-être plus uniquement aux philosophes professionnels de répondre et de penser la crise que nous vivons actuellement, c'est à nous tous. Hein. Et donc, les animateurs philo, dans les ateliers philo qu'ils animent avec des enfants, avec des adultes, avec des seniors, eh bien, je pense qu'ils contribuent aussi à cette nouvelle philosophie qui est en cours d'élaboration et qui, pour l'instant, ne fait que balbutier. Voilà ce que je peux dire pour répondre à votre question. Eh bien, merci François Galichet pour ce passionnant entretien. Je rappelle aux formatrices et aux formateurs que vous serez en ligne le 19 novembre de 11h30 oui. à 12h pour échanger avec eux autour de ce sujet et répondre à leurs éventuelles questions supplémentaires. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Et merci de votre entretien. Au revoir.